Merci, Lord. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. J'aimerais que tout le monde puisse pousser les cris de joie. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Jésus est vivant. Jesus is alive. Amen. Amen. Oh, nous sommes dans la joie aujourd'hui. We are really happy today. Vous savez pourquoi nous sommes dans la joie aujourd'hui? Do you know why we are happy today? Parce qu'il y a quelqu'un qui avait pris la décision. Because there was someone who made a decision to descendre and to come down to earth, prendre la chair humaine, and took human being flesh. Dieu, il est descendu. He's God and he came on earth. Afin de mourir à ta place. And to die at your place. Afin de mourir à ma place. And to die at my place. Cet homme, c'est Jésus. And this person is Jesus Jésus, Christ. Jésus, le roi de rois. Jesus, the King. Jésus, le Seigneur des Seigneurs. He is the King of Kings, nous and the Lord of Lords. Nous allons tenir debout pour acclamer ce roi de rois. Yikilikilikili. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Il est le maître de vie, le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Avant que nous puissions commencer, and before we start our service, nous voulons prendre un verset. And we're gonna read a Bible verse pour nous introduire dans cette joie, dans cette fête que nous allons célébrer aujourd'hui. And to introduce us in the happiness, in the joy that we're gonna celebrate today. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 28. And we're going to go to the book of Matthew chapter 28. Le cinquième et le sixième verset, nous allons lire. Verse 6 and 7, we're going to read in Jesus' name. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Are we there? Donc, Matthieu chapitre 28, du cinquième au sixième verset, nous allons lire au nom de Jésus. Amen. Amen. Matthew chapter 28, verse 5 to 6. Nous allons lire au nom de Jésus. Amen. We're going to read in Jesus' name. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes. And the angels took the word and said to the women. Pour vous, ne craignez pas. Do not be afraid. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. For I know that you are seeking Jesus who was crucified. Il n'est point ici. He is not here. Il est ressuscité. He is risen. Je reprends encore cette partie. Hallelujah. Amen. I'm going to read this part again. Il n'est point ici. He is not here. Il est ressuscité. Amen. Amen. For he is risen. Comme Amen. Il avait dit. As venez, he said, come. Venez, voyez les lieux où il était couché. Come and see the place where he was laid. C'est ça la raison pour laquelle nous sommes joyeux aujourd'hui. And this is the reason why we are happy today. Notre Dieu nous demande de célébrer ce jour. And our Lord asks us to celebrate this day. C'est le jour où celui qui est mort pour nous est revenu à la vie. And it's the day that the one who died for us at the cross came back to life. Il n'est pas revenu seulement à la vie comme tout. He didn't come to life just like a regular person. Mais il est venu à la vie comme un Seigneur glorieux. And he came back to life as a glorious Lord. C'est pour cela que nous allons nous tenir debout. And that's the reason why we will be standing. Nous allons dire merci à notre Dieu. And we're going to say thank you to our Lord. Il est le roi de rois, il est le Seigneur des seigneurs. He is the Lord of lords and the kings of kings. Il est vivant, c'est Dieu puissant. And he is alive, this King. Et il est assis à la droite du Père où il intercède. And he is at the right hand of the Lord, sitting and interceding for us. Élevons nos voix, nous allons prier notre Dieu. And let us lift our voice and praise. Hallelujah. Oh Yahweh, nous venons dans ta présence cet après-midi. Nous venons te louer, le roi des rois, le prince de paix, le tout puissant, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux. Oh, l'étoile brillante du matin, la rose du Sharon, le Dieu grand, puissant, redoutable. Yahweh, nous te disons merci. Yahweh, nous te lèvons, Seigneur Jésus.
Yahweh, pour la journée d'aujourd'hui. Oh, la journée où nous célébrons. Yahweh, Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité. Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité. Yahweh, tu ne pas, Seigneur Jésus, dans la tombe. Yahweh, tu es celui qui est ressuscité au troisième jour. Oh, comme tu l'avais dit, Seigneur Jésus, aux disciples. Comme tu l'avais dit, Seigneur Jésus, il est mon assurance. Oh, que si on tue ce corps au troisième jour, toi tu allais le ressusciter. Oh, c'est pour cela que nous te louons. Yahweh, nous t'élevons, nous t'adorons, car tu es Dieu. Oh, car tu n'as pas changé. Qui est comme toi. Qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'étoile brillante du matin. Le Dieu grand et merveilleux. Oh, merci parce que oh je te dis merci car tu es mon Dieu. Yahweh, tu es mon roi. Oh, mon Seigneur, Seigneur Jésus. Oh, c'est lui qui est ressuscité au troisième jour. Yahweh, la mort ne pouvait pas te retenir. Oh, Seigneur Jésus, tu es vivant. Oh, tu es vivant. Tu es à la droite du merci Père, intercédé pour nous. Oh, c'est Seigneur, pour cela, beloved in Christ. Nous allons prier pour ceux qui sont encore en chemin. And we're going to pray for those who are on the way. Nous allons les recommander entre la main de Dieu. And we're going to recommend them nous into God's hand. Et recommander ce service entre la main de Dieu. And we're going to recommend this service into God's hand. Et nous allons dire, Seigneur, nous sommes venus devant de toi. And we're going to say, the Lord, we come to your presence. Nous voulons que tu puisses te glorifier encore davantage. And we want you to glorify yourself more. Nous allons élever nos voix et nous allons we're going to lift our voice and we're going to pray. Oh, merci éternellement, Seigneur, oh, Seigneur pour Jésus. Oh, Yahweh, nous venons, Seigneur Jésus, dans ta présence. Yahweh, pour que toi, tu puisses te glorifier. Yahweh, pour que toi, tu puisses te manifester. Yahweh, que toi, tu puisses agir puissamment dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous te rêvons, nous t'adorons, car tu es roi. Sois élevé dans ma vie, Seigneur Jésus. Sois élevé dans la vie de mes enfants, car tu es mon roi. Yahweh, tu es mon Seigneur. Yahweh, tu es mon Dieu. Oh, j'élève ton saint nom. Oh, je glorifie ton saint nom, Seigneur Jésus. Oh, sois loué, sois élevé. Car tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous t'élevons, Seigneur, nous t'adorons. Nous te glorifions, Seigneur, car tu es Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Oh, nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Oh, le roi des rois. Le prince des pays. Oh, le tout-puissant. Nous te louons, nous te lèvons, nous t'adorons. Car tu n'as pas changé. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir, Seigneur. Merci. Seigneur, nous te recommandons ce service entre tes saintes mains, mon Dieu. Nous voulons que tu puisses encore te révéler grand, puissant et glorieux, ô Jésus. Visite éternellement, Seigneur, mon roi, cette assemblée. Laisse que ton esprit puisse se mouvoir dans cette assemblée. Laisse que ton esprit saint puisse raviver encore éternellement, Seigneur, mon roi, les dons spirituels dans chacun d'entre nous. Oh, merci, Esprit de Dieu, Esprit de révélation, Esprit de puissance, Esprit d'autorité. Nous remettons sous ta puissance éternellement, Seigneur, mon roi. Oh, cette assemblée éternellement, Seigneur, mon roi. Que toi seul puisses manifester. Yahweh, agis puissamment. Agis puissamment au milieu de nous. Garde tous ceux qui sont en cours de route. Yahweh, protège-les, Seigneur Jésus. Oh, manifeste-toi, Seigneur. Que tous ceux qui se glorifient pour toi soient le Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous te louons, nous te lèvons, nous t'adorons. Nous te glorifions car tu es Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Yahweh, merci les dieux glorieux. Oh, quel honneur, la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir pour un moment. And we may be seated for a minute.
Bien-aimés, je voudrais exhorter même ceux qui sont en train de nous voir au travers le réseau. And beloved, I would like to exhort even those who are watching us online. Ceux qui nous voient au travers YouTube ou Facebook. And those who are watching us through YouTube or Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église. Beloved in the Lord, the church. Commence dans nos maisons. Start in our house. Il est très important. C'est vrai, nous amenons nos enfants à l'église. It's really very important that we bring the kids to church. Et lorsque nous les amenons, nous faisons bien. When we do that, we do good. Mais si nous pouvons prendre du temps. But if we can take time. Chaque soir, lorsque nous revenons à la maison après le travail, avant que every nous puissions evening aller, when we come home after work. Avant d'aller dormir. Before we go to sleep, prenons le temps. Let us take time avec nos enfants, with our children. Partageons la parole de Dieu. To share the word of God. Apprenons à nos enfants la voix de Dieu. And let us teach our children the work comment of God. Ils doivent se comporter how to conduct themselves in the presence of God. La parole de Dieu. They need to know the word of nous God. Les amenons à l'église. And we bring them to church. Ils suivent le pasteur en train de prêcher. And they are following the preacher's preaching. And sometimes they go back home and they throw the notebooks mais and si they forget. Parents, but if as a parent, cette charge, and we could take control de commencer à parler avec eux, and to start talking with them partager la parole, and to share the word of God. Et leur donner l'occasion de nous qui comprennent par cette parole. And to give also them a opportunity to tell us what they do understand. Et là nous dirions que nous avions mieux fait. And then we can say that we did a better job. Et cela va permettre à nos enfants de grandir dans la parole de Dieu. And that will allow our children to grow in the word of God. D'être armé contre toute attaque de l'ennemi. And to be protected against any attack of the enemy. Point. Nous devons savoir que là où les enfants vont à l'école. And we need to know that where our children are going to school. Là, il y a des enseignants qui sont occultistes. Nous ne disons pas que tous les enseignants sont occultistes. And there's some teachers who are in cult. We don't say all of them. Armer déjà nos enfants. If we can already give our children arms, ils peuvent résister. And they can resist. Prenons le temps. And let us take time. Partageons la parole avec nos enfants. And to share the word of God with our children. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. May God bless you and may God be blessed. Notre Dieu est merveilleux. Our God is marvelous. Amen. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu glorieux. And he is a marvelous God, he is a powerful God. Le Dieu qui n'échoue jamais. The God that never fails. C'est celui-là que nous allons adorer maintenant. And he is the one who can worship right now. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu glorieux. He is a powerful God, a marvelous God. Alléluia, c'est un moment merveilleux que nous allons passer ensemble. And it's a marvelous moment that we're going to spend together. Nous allons chanter dans la présence de Dieu. And we're going to sing in the presence of God. Nous allons danser dans la présence de Dieu. We're going to dance in the presence of God. Il est le roi, il est le Seigneur. He's the King and the Lord of Lords. C'est lui qui nous a sauvés. And the one who saved us. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons la bienvenue, vous tous qui êtes connectés. So, I'm going to speak in English and my beloved husband is going to translate in French. So, we welcome you to the new city of David, Atlanta. Nous vous souhaitons la bienvenue ici à la cité de, à la nouvelle cité de David. And we are starting our celebration. Commençons notre célébration. We are starting our resurrection. Nous sommes en train de célébrer notre résurrection.
And when I look back and I ask myself if Jesus Christ didn't rise again, lorsque je fais une marche arrière, je regarde, je dis, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, what were you going to do today? Qu'est-ce que nous allions faire aujourd'hui? What were you going to do today? Qu'allons-nous faire aujourd'hui? I know your faith was going to be in vain for worshiping a dead man. Je sais que votre foi serait vaine en cherchant à adorer celui qui n'est pas ressuscité. There's some people who worship dead people. Il y a des gens qui sont en train d'adorer des gens qui sont déjà morts. But us, mais nous, we worship, nous adorons the risen King. Celui qui est ressuscité, le the roi. One who died. Celui qui était mort. And he was in his tomb for 3 days. Et il était dans la tombe 3 jours. And after 3 days, he rose again. Trois jours, il est ressuscité. And that's the reason why we are here to celebrate. C'est pour cela que nous sommes là pour le and célébrer. That's why we are also, c'est pour cela, we invite you where you nous are connected, là où vous êtes connecté, that you will focus on God. Que vous puissiez vous connecter, that you will focus on the risen King. Que vous puissiez être connecté à ce roi qui est ressuscité. The King of Kings and the Lord of Lords. Le roi de rois, le Seigneur de Seigneurs. And the one who called you from the darkness to the light of Jesus Christ. Celui qui t'a appelé de ténèbres à la lumière. And he brought you to his kingdom. Il t'a amené dans son royaume. And today you are called a child of Most High God. Aujourd'hui tu es appelé l'enfant du Dieu qui est le plus élevé. And today I'm called a child of Most High God. Aujourd'hui je t'appelle l'enfant du plus haut. And that's the reason why. C'est pour cela. Without delay. Sans passer beaucoup de temps. We're gonna call the Chibasu family. Nous allons appeler la famille Chibasu. And they are the one. Et ils seront là. And they're gonna start. They're gonna open our service. Ils vont commencer le service. And they're gonna. We're gonna praise our Lord. Nous allons louer notre Dieu. We're gonna sing the song that says. Nous allons chanter la chanson qui dit. Jesus Christ. Jesus is my living hope. Et mon espérance de vie. Yes, because if he didn't rose today, parce que s'il n'était pas ressuscité aujourd'hui, my hope, my faith was going to be in vain. But I know, je sais, one day my Lord is going to come back again. Un jour, mon roi va revenir encore. And I will be with him in heaven. Je serai avec lui. Amen. Père, nous te disons merci. Sois loué, sois élevé à jamais, car tu es Dieu. Merci Seigneur Jésus, car tu es mon Dieu. Merci car tu es mon roi. Seigneur, merci les premiers. Sois exalté, Seigneur, dans le nom de la tribu de Judas. Et les lions, les chiens derrière le nom, c'est toi. Alléluia. Nous élevons encore ton saint dans cet après-midi. Sois couronné, sois exalté. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, toi tu n'as pas d'égal, Seigneur Dieu. Could not.
Amen. Jesus Christ is our living hope. Jésus Christ est notre espoir de vie. And without delay. Sans tarder. And we're gonna pass now to the first family. Nous allons passer à la première famille. And the first family gonna praise God and worship Him. Nous vous appelons. And they will be singing the goodness of God. Ils vont chanter la bonté de notre Seigneur. Everybody come forward. The whole family, please. La famille pastorale. Can we please clap for the family? Are we happy? Amen. So the song that we're about to sing is Just Say Goodness of God. As the title is pretty clear, we're just singing of how much God has done for us in our lives, not just in our lives, in this ministry. For those who come here every Sunday, they can see how much growth we've seen throughout the 1 year of us existing as a church. And that's why we just want to sing this song, saying how God has been so good to us. Amen. Amen. Bon après-midi, bien-aimés. Pour enchérir ce que ma fille venait de dire tout à l'heure, nous allons chanter, exécuter ce chant pour remercier le bon Dieu. Il est fidèle dans nos vies, il est fidèle dans notre famille. Jesus. Comme dit la Bible dans le livre des Nombres 23, au chapitre 19, il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Just like the Bible says, it's not a man to lie, nor a man to Numbers chapter 23, yeah. Verse 19. The Bible says, comme je disais tout à l'heure dans le livre de Nombres, le chapitre 23, au verset 19. Like I was saying earlier in the book of Numbers, chapter 23, verse 19. Il n'est pas un homme pour mentir. God is not a man to lie, ni un fils de l'homme pour se repentir. Nor is a man to repent. Tout ce qu'il dit, everything that it says, il finit par l'accomplir ou le réaliser. Will come to pass. Le Dieu que nous prions est un Dieu fidèle. The God that we pray is a faithful God. Non seulement pour moi, pour mon mari, pour ma famille également. Not just for me, for my family and for my husband. Et pour notre grande famille, New City of David. And for our big family, New City of David. C'est un Dieu bon, un Dieu merveilleux. Is a good God, a wonderful God. C'est pour ça que nous avons choisi d'exécuter ce chant. And that's why we chose to sing this song. Merci. I love you, Lord. For your mercy never failed me. All my day I be bent in your hand. For the moment I wake up, lean my hand on you, I will see of the goodness of God. I love you, Lord. Can you sing with me? For your mercy never fails me. All I do, I bend in your hands. From the moment that I wake up until I am a man, I will see all the goodness of God. I love you, Lord, one more time. I love you, Lord.
back to sing too. This family celebration for us, my wife, my beautiful wife. Running after me.
Of God is running after us. Amen. Amen. Vraiment, la grâce de Dieu est derrière nous. The grace of God is behind us. Et chaque fois quand nous nous réveillons le matin, every time we wake up in the morning, et nous voyons la grâce de Dieu, and we see the grace of God, vraiment que le Seigneur soit béni, may the Lord et qu'il puisse bénir la première famille. Let him bless the first family. Amen. Amen. Et maintenant, là, il faut être déjà prêt pour danser. Now we have to be ready to dance. Parce que la famille Batty, because the family Batty, oh non, ils vont nous faire danser. They're gonna make us dance. Vous pouvez déjà avancer, s'il you vous plaît. Come forward, please. Alléluia. Amen. Amen. Sommes-nous dans la joie? Amen. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. He's alive. Il est réellement ressuscité. Je veux voir la joie parmi nous. I would like to see joy among us. That's why we're here to worship him. Car c'est lui qui est le maître de notre souffle de vie. God, he's the one who's the master of our breath of life. Amen. C'est le thème de notre chanson du jour. That's the theme of our daily, the song of our day, of our song. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. May all that breathe praise the Lord. Thank you.
the Lord. Amen. Que mon âme loue l'Éternel. May my soul praise the Lord. Et l'Éternel est vivant. The Lord is alive. Et comme vous savez, aujourd'hui, c'est le jour des familles. As you know, today is a family day. Je vais inviter la famille Mulumba. I will invite the Mulumba family. Hallelujah. Amen. Et avec la famille Mulumba, with the family, Mulumba family, nous allons tous les accompagner. We all accompany them. So, all of our families come back to the front. Toutes les familles avancent. Alléluia. Amen. Boys, Joyce, mamie, maman Marceline. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Mokonzi. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, na Yahweh. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, na Likolo, toko yembe la Yahweh. Alléluia, 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 na Yahweh. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yahweh. Alléluia, 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 na Yahweh. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yahweh. Alléluia, na Papa, Yesu ndiwe, Yesu ndiwe, eyemena, Yesu ndiwe, eyemena, Yesu ndiwe, eyemena, Yesu ndiwe, eyemena, Yesu ndiwe, eyemena. Alléluia.
Amen. Amen. Nous allons récupérer nos places. Let us sit down. Je vais inviter notre pasteur. I will invite our pastor. Pour une exhortation. For an encouragement. Parce qu'aujourd'hui, nous allons seulement célébrer. Because today we are only going to celebrate. Mais avant que le pasteur puisse passer, but before the pastor comes forward, et nous allons faire notre déclaration de l'année. We're going to make our yearly declarations. Et nous savons très bien que notre déclaration est dans le livre de Psaume de David, chapitre 1. We know that our declaration is from Psalm 1. Et je vais m'excuser pour une minute pour prendre ma Bible. Let me get my Bible. Et pour ceux qui ont le livre, la Bible en français, for those who have the Bible in French, vous pouvez aller dans le livre des Psaumes de David. Go in the book of Psalm of David. Chapitre 1er. Psalm chapter 1. Ok. Moi, j'ai la Bible anglaise. I have the English Bible. Et I'm going to read in English. Je vais lire en anglais. I will read in English. Et Papa Eric a la version française. Papa Eric has the French version. Et il va aider tout le monde aussi à dire en français. He will help everyone say it in French. Ok. La parole de Dieu nous dit, je lis au nom puissant de Jésus. Blessed is the man who walks not in the counsel of ungodly, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the river of water, that brings forth its fruit in its season. Those leaves also shall be withered, and whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like the sheaf which is wind drive away. Therefore, ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Amen. Papa Eric. Amen. Amen. Nous allons lire dans Psaume chapitre 1er. We read in Psalm chapter 1. Et nous allons lire du 1er au 6e verset. From verse 1 to 6. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne réussissent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. 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 Que mon Dieu vous bénisse. May my God bless you. Bless you. Est-ce que nous sommes dans la joie ce soir? Are we happy this afternoon? Est-ce que nous sommes dans la joie? Are we happy this afternoon? Yes. C'est comme si vous n'êtes pas dans la joie. It looks like you guys are not happy. Est-ce que nous sommes dans la joie? Are we Amen. Happy this Amen. Afternoon? Amen. Il est ressuscité. He's risen. Hallelujah. Il est ressuscité. He's alive. Amen. Il n'est plus dans le tombeau. He's not in the tomb. Amen. Amen. Amen.
J'aimerais que vous puissiez pousser des cris de joie parce qu'il est là. And I want you to hallelujah, shout hallelujah, the shout of joy because he's alive. Nous allons recommander ce temps entre les mains de Dieu. And we're going to recommend this time into God's hands. Éternel mon Dieu, Dieu de gloire et grâce. Father God, we come to your throne of grace. J'aimerais mon Dieu te recommander ce temps. And we lift this time into your hands, Father, que ta gloire et ta grâce, mon Dieu, se manifeste. Let your blood cover us, Father, I pray for you, sir. J'aimerais mon Dieu que tu puisses déverser, oh Dieu, ta puissance et ta gloire dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais que tu apportes la guérison à quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais, mon Dieu, que tu restaures une vie dans le nom puissant de Jésus. Tu es un Dieu puissant et fort. Il n'y a aucun esprit qui peut rester devant ta face. Oh, in your presence, we thank you. We praise you because you are Lord and our Savior. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Accepte de nous parler. Accepte, mon Dieu, d'affermir nos vies dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, bien-aimé. May God bless you, beloved. C'est encore un privilège d'être au-devant de vous. And it's another privilege to be before you. Et ne pas dire merci à vous qui acceptez, vous avez accepté de vous déplacer pour être dans ce lieu. And not saying thank you to you all who answer our invitation. Je serai ingrat. I will be ungrateful. C'est pourquoi j'aimerais vous dire merci d'être là. And that's the reason why I would like to say thank you. J'aimerais vous dire merci parce que vous avez accepté d'abandonner tout ce que vous avez comme préoccupation. And I will say thank you because you have left all that you were supposed to do. Merci non pas parce que vous avez accepté notre invitation. Not only thank you because you accept our invitation. Parce que vous aviez accepté que non, vous aviez été créé par quelqu'un. And because you also agree that you are created by somebody. Que votre vie est dirigée par quelqu'un. That your life is led by somebody. Votre famille ne dépend pas de vous. That your family does not depend on you. C'est pourquoi vous êtes là ce soir. And that's the reason why you are here this afternoon. Je vous dis merci. And I want to thank you. Et vous savez le pourquoi nous sommes là ce soir. And you know the reason why we are here today. C'est parce qu'il y avait une mort. Because there was a dead. Et il y avait une vie. And there was also life. Mais l'homme, but man, Dieu lui a donné la vie. God gave him life. Amen. Amen. Lui a donné le souffle de vie. God gave him the breath of life. Mais l'homme, but man, n'a pas pu gérer cette vie-là. He couldn't digest or control that. C'est pourquoi nous sommes là. And that's the reason we are here. La résurrection de Jésus, the resurrection ce n'est qu'une conséquence Christ de quelque chose. Is only the consequences of something. Amen. Amen. L'homme, man, il est tellement difficile. He is really difficult. L'homme, man, il est tellement rusé. And he is really wise. L'homme, man, il aime toujours créer un problème. He always like to create the problem. Mais aujourd'hui, je vous parlerai d'un homme. And today, I'm going to speak to you about a qui est tellement spécial. Who's really special. Cet homme qui a accepté de prendre ta place. And the man who accepted to take your c'est place. Celui-là dont je vais vous parler ce soir. And he's the one I'm going to speak to you about this afternoon. Il a accepté de prendre nos fardeaux. And he accepted to take our burdens. Il a accepté de prendre nos maladies. And he accepted to take our sicknesses. Il a accepté de prendre nos faiblesses. And he also accepted to take our weaknesses. C'est cet homme-là dont je suis en train de vous parler. And that's the man I will be talking today. Si nous allons dans le livre de Genèse. Let's go to the book of Genesis. 7. 7. Et ça, Marguerite, for us in French version. Genèse 2, 7. Genesis chapter 2, verse 7. Et ça, Marguerite, for us. Chapitre 2, yes. Le verset 7. Le verset 7. Mm-hmm. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Mm-hmm. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. 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 Tout a commencé par donner la vie à cet homme.
And all started by giving life to that person. Ça ne s'est pas arrêté par là. And it didn't finish by there. Il a créé son semblable en le faisant dormir. And he created his man in his likeness. Parce qu'il regarde que nous tuer vraiment dans la solitude. And because he saw that man was in solitude, je vais remplir that he gonna feel ta joie, your joy. Je te fais un être semblable. And to create someone like you. Amen. Amen. Mais cet homme était endormi quand on créait son semblable. And that man was asleep when they were creating the other person was in his resemblance. Amen. 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 Mais ils n'ont pas pu gérer tout ce que Dieu nous a donné. And they couldn't gérer, control or take, manage what God is giving them. Dieu les a tout donné. God gave them all. Il y avait des animaux à leur service. And there were animals on their service. Amen. Amen. Mais n'ont pas pu gérer cette joie. And they couldn't manage that joy. J'aimerais te parler, bien-aimé. And I would like to tell you. Tu vis aux États-Unis. That you live in America. Il y a des personnes qui souffrent au Congo. There's people who really suffer. Je te demanderai juste une chose. And I will ask you just one thing. De gérer cette joie-là. And to manage the joy that you have. Somebody say amen. Amen. Juste de gérer cette joie. Only to manage the joy or happiness. Parce que si tu n'arrives pas bien gérer, because if you don't really tu vas perdre manage cette joie. It, you're gonna lose the life. L'homme dans le jardin. Man in the garden. N'a pas pu gérer cette joie. He couldn't really manage that joy. Et vous savez quand vous êtes en vie. And you know when you are alive. Pouvez. You can. Aller dans faire toutes les activités possibles. You can do all your activities as possible. Parce que vous avez le souffle de vie. Because you have the breath of life. Mais en vous retirant cette vie là. If that breath of life was taken away from you, on ne serait plus en mesure de le faire. And you won't be able to do it. L'homme n'a pas pu gérer. And the man couldn't la manage joie qu'il avait. The joy that he had. Il a désobéi à la loi de Dieu. And he disobeyed to the word of God. Voilà là où la mort a commencé. And see where death started. Amen. Amen. Donc quelque part, retenez, il y avait la vie. And somewhere there was life. Et en deuxième position, il y a la mort. And then on second position, there was also death. Lors de la création, Dieu n'a pas créé la mort. And in the creation, God didn't create death. Mais l'homme a créé la mort. But man created death. Somebody say amen. Amen. So j'aimerais que tu avances dans tout ce que tu es en train de faire. I want you to succeed qui in all est la that vie you dans do, ce que tu es en train de faire. That there will be life in all mais you n'oublie do, pas but don't forget d'être un bon gestionnaire. To be a good manager. La joie que tu es en train de vivre dans ton couple. And the joy that you are living in your couple. N'oublie pas de maintenir cette joie là. And don't forget to maintain that joy. La joie que tu es en train de vivre de voir dans la vie de tes enfants. And the joy that you see in your children's life. N'oublie pas de continuer à gérer cette vie là. And don't forget to keep managing. Si tu n'arrives pas à gérer cette vie, because if you don't manage that life, il y a la mort. There is death. Amen. Amen. Alors, il fallait que quelqu'un and suppose that someone else puisse mourir to die. Afin que nous soyons rachetés. That we will be saved. Afin que nous puissions retrouver la vie. That we will now find life. L'homme a créé la mort. Man created death. Il y a maintenant quelqu'un. And there's now someone else. Qui veut se substituer à notre place. And who took our place. C'est quelqu'un qui accepte. And it's someone who accepts. De prendre notre place. And to take our place. Cet homme-là, c'est Jésus. And that man is Jesus. J'aimerais que vous puissiez, moi je m'attendais à ce que vous puissiez pousser des cris de joie. And I was expecting you guys to shout of joy, amen. Et c'est Dieu-là que nous prions. And the God that we pray. Et c'est lui-là qui l'a accepté, voilà, je suis là. And he's the one who accepts to say, I'm here. Ça, je vais aller racheter mon peuple. And I'm going to call to save my people. Peu importe les conditions. No matter the conditions. Je vais aller. I'm going. Afin qu'il puisse retrouver cette vie-là.
that they will recover that life. Il a accepté. He accepted. De prendre notre chair. And to take our flesh. Il a accepté. And he accepted. De mourir. To die for you and me. Amen. Amen. Quand nous allons dans le livre de Luc. When we go to the book of Luke. 21. Somebody can read for us. I'm going to read in the book of Luke, chapter 21. I'm going to start on verse 1. Yes. And he looked up and saw the rich pulling the gift into the treasury. 23, please. 23. Sorry. I'm going to read in the book of Luke, chapter 23. And I excuse myself for that. Then the whole multitude of them arose and led him to Pilate. As they began to accuse him, saying, "We found this fellow perverting the nation and forbidding to pay taxes to Caesar, saying that he himself is Christ, a king." Yeah. The Pilate asked him, saying, "Are you the king of the Jews?" He answered him and said, "It is as you say." Yeah. So Pilate said to the chief priests and the crowd, "I find no fault in this man." But there were there more feasts, saying, "He stirred up the people, teaching through all Judea, beginning from Galilee to this place." When Pilate heard of Galilee, he asked if the man were a Galilean. And as soon as he knew that he belonged to Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who was also in Jerusalem at that time. Now when Herod saw Jesus, he was exceedingly glad, for he had a desire for a long time to see him, because he had heard many things about him, and he hoped to see some miracles done by him. Yeah, we can stop. Amen. 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 Somebody found the French version? You say Luke 23. Luc chapitre 23. Amen. Amen. Nous allons lire au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Luc chapitre 23, verset. Oh, can start with first one. First verse. Le verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant: "Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi." Pilate l'interrogea en ces termes: "Es-tu roi des Juifs ?" Jésus lui répondit: "Tu le dis." Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule: "Je ne trouve rien de coupable en cet homme." Mais ils insistèrent et dirent: "Il soulève le peuple et enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici." Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Yeah. Mommy, can you stop? Okay. Oh, merci. Donc, je vous parle d'un homme
And I'm talking about the man. Celui qui a accepté de mourir pour nous. And the one who agreed to die for us. Et cet homme a été accusé. And that man was accused. On a amené à Pilate. And they brought him before Pilate. Amen. Amen. Il a regardé, cette personne n'a rien fait. And he looked and he confronted him with a fault. Ils étaient des ennemis avec Hérode. And Pilate was the enemy with Herod. Amen. Amen. Avant le problème de Jésus, ils étaient des ennemis. And before the problem of Jesus, they were enemies. Mais à cause. But because. Et parce qu'il avait une mission spéciale. Jésus-Christ avait une mission spéciale. And because Jesus Christ had a special mission. Ils se sont entendus. And they agreed. Le monsieur n'a rien fait. The man didn't do anything wrong. Ils se sont mis d'accord. But they agreed. Ils ont choisi un prisonnier. And they chose a prisoner. C'était une habitude. And it was a habit. Et présenter au moins chaque année. And to present one prison each year. Donc, on peut, comment dire, on choisit, tu as fait du mal. And they were chosen if you did bad. Même si tu as fait du mal. Even if you did wrong. Mais si la population disait que non, tu n'es pas appelé à être exécuté. And if the population was saying that you are not called to be executed. On approuve. And they will approve. Et ce jour-là, c'était un jour spécial. And that day, it was a special day. Barabbas était là. And Barnabas was there. Et Jésus était là. And Jesus Christ was there also. Mais la foule a choisi. But the crowd chose. Barabbas qui devrait être libéré. That they can free Barnabas. They can free Barnabas. Et Jésus devrait être crucifié. And Jesus Christ was supposed to be crucified. Amen. Amen. Il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie sans pour autant le vouloir. And there's some things that happen in our life without. Il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie sans pour autant faire quelque chose de mal. And there's things that happen in your life without you doing what's wrong. Sans pas commencer aujourd'hui. It didn't start here today. Celui que nous prions aujourd'hui. The one we are praying today. Il a été accusé faussement. He was also accused falsely. Mais parce qu'il avait une mission à accomplir. And because he did have a mission to accomplish, s'est pas arrêté. He didn't stop there. Il s'est plié à la volonté. And he conformed to the will. Amen. Amen. Il s'est plié à cette volonté. And he humbled himself to the will. Amen. Amen. On m'a donné 20 minutes. They gave me 20 minutes. Amen. Amen. I'll try my best. Et je vais essayer le mieux. Yeah, dans quelques minutes, je vais clôturer. And in a few minutes, I'm going to close. Le message clé. And the key message here. Qu'il y avait quelqu'un qui est mouru pour toi. And there was someone who died for il you. Il a pris ta place. He took your place. Afin que toi, tu sois libéré. That you will be free today. Amen. Amen. C'est cet homme-là que nous prions. And it's that man that we are praying. Et il n'est pas resté mort. And he didn't stay dead. Après 3 jours, after 3 days, il est ressuscité. And he rise. Et c'était again. Un certain dimanche. And it was a Sunday. Amen. So aujourd'hui, j'aimerais te dire que les choses qui dorment en toi puissent ressusciter and dans le nom today, puissant I de Jésus. I want to tell you whatever is sleeping in your life to rise again. Amen. Que les affaires qui semblent être mortes. That the business that is dead, que ça puisse résister dans le nom puissant de Jésus. That it will rise again, Jesus. Que les mariages qui tardent là de venir, que ça arrive dead, dans le nom puissant de Jésus. Que les enfants qui tardent là à venir, que ça arrive maintenant. That they will come right now. Dans le nom puissant de Jésus. In Jesus Christ's name, amen. Jesus. Tikanga ina yemba Zambo zamala Yo zamala Yo zamala Yo zamala Yo zamala Tikanga ina yemba Yeso zamala mu
Tika nga ina yemba Yeso zama lamu Yo zama lamu Yo zama lamu. Oui, bien aimé. Yes, beloved. Je vais appeler quelques personnes en devant ici. And I'm gonna call a few people. Et nous allons prier pour eux. And we're gonna pray for them. Et nous savons que le Dieu que vous servez And we know that the God that you are serving va transformer leur ministère dans le nom puissant de Jésus. And transform the ministry in Jesus. Le Dieu que vous servez the God that you serve va affecter leur vie dans le nom puissant and de Jésus. Affect their life in Jesus' name. Et comme je vous disais tantôt And as I was telling you, avant la mort de Jésus, before the death of Jesus, il y avait une certaine catégorie de personnes qu'on appelait les Lévites. There was a category of people was called the Levites. Il y avait le droit. Levi have the right. Mais aujourd'hui, tu peux aussi prier. And today, you can also pray. Peu importe l'endroit. No matter where you are. Dieu n'est pas seulement dans les synagogues. And God is not mais il only est maintenant in partout. The synagogue, but je vais appeler Mama Anne. Elle est déjà and devant. Mama Anne is already here. Elle est chargée du département de sœurs de l'Université de David. And my man is in charge of the department of. Amen. Hein? Est-ce que vous pouvez acclamer pour ça? Can you clap for that? Amen. Amen. Hein? Amen. Je vais appeler Papa JB. And I'm going to call Papa JB. Papa JB est le président du département des hommes à Dieu. And Papa JB is in department of men. Amen. Hein? Amen. Je vais appeler Mama. Maman Marceline. And we're gonna also call Maman Marceline est présidente du département d'évangélisation de l'Université de David. Amen. Maman Marceline is in charge of et Maman Silva. Maman Silva. Elle est la présidente de sœurs de l'Université de David. And she's the mother's president in New City. Et il y a une autre personne. And there's another person. La sœur Bélange. Sister Bélange. Elle est la présidente de la chorale ou de la musique. And she's in charge of the choir, the et music. Papa Eric, and we're gonna call Papa Eric. Il est le président des fiançailles et mariages. C'est très and important. And he is in charge of fiançailles and married people. Amen. Hein? Amen. Si vous avez quelqu'un, vous avez besoin de conseils concernant les mariages. And if you have someone who needs counseling for marriage, veuillez voir Papa Eric. And you need to see Papa Eric. Amen. Hein? Amen. Si vous avez des enfants, if you have children. Parce que dans ces pays, vous avez, chez nous, on pouvait envoyer nos enfants voir les grands-pères, grand-mères, and enfin, because qu'elles soient conseillées. In this country, you know, we used to send the children to our grandpa's family. And here, there's YouTube. Il y a quoi encore? TikTok. There's TikTok in America. Ça fait partie aussi des conseillers. And sometimes they give si nous ne faisons pas attention, but if we are not careful, ils vont avoir des conseils là-bas. And they will get some counseling. Nous sommes les Bantous. We are Bantu. C'est pourquoi nous recourons. And that's why we run aux personnes qui sont expérimentées pour encadrer nos enfants. To those who have experience to guard our children. So nous allons prier et recommander. Toute cette grande famille entre les mains de Dieu. And we're going to pray for all this big country, Jesus Christ. Que la main de Dieu puisse accompagner tout un chacun de nous. That the hand of God will lead et la puissance, l'onction puisse augmenter dans nos vies. The anointing that will be more anointing in their lives. S'il vous plaît. Let us stand and pray. Nous allons agenouiller. Agenouillons-nous, s'il vous plaît. Éternel, mon Dieu, Dieu de gloire et de grâce, Yahweh, nous venons, Seigneur, nous voici au-devant de toi, car tu es Dieu, tu es parce que roi, tu as accepté, tu es mon Seigneur, Dieu, tu es notre Sauveur. Ajoutez quelque chose dans Yahweh, notre vie. Nous nous remettons nous sommes humblement au Dieu devant de toi, parce que nous savons, mon Dieu, que tu es un Dieu puissant, Yahweh, pour un Dieu qui transforme nos vies. Un Dieu qui transforme notre façon de voir les choses. Nous t'en supplions, mon Dieu, que ce soir, mon Dieu, que ce soit une nouvelle vie qui va, oh Dieu, commencer dans notre vie. Dans nos familles, mon Dieu, que tu impactes-nous de ton onction, impacte-nous de ta grâce, impacte-nous, oh Dieu, ta puissance, afin que nous puissions te servir avec joie. Oh, nous assister, être avec nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire et l'honneur, mon Dieu, puissent revenir dans le nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen, bien-aimé. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, vous pouvez regagner les places. May God bless you. Amen. Oui.
y a quelqu'un qui nous a dit, nous a demandé si nous pouvons lui accorder le temps de témoigner. Nous allons voir comment aménager, comment nous allons ménager ça. Mais pour l'instant, vous voyez que maman est en train de me regarder. And by fault of time, Papa Eric will be leaving in 12 minutes. Yeah. So the testimony will be before the offering. Okay. The offering will be after our second performance. So the family will be coming ahead again. Okay. All right. Thank you so much. So, que mon Dieu vous bénisse, bien-aimé. May God bless you. And I want our children on one side and the parents on the other side. Amen. Que le Seigneur soit loué. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, les danses au roi des rois. Oui, venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre hommage. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis éternité, nous venons lui rendre hommage. Oui, venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, des danses au roi des rois. Adorons-le. Porte en moi le maître du salut. Je porte en moi que nous ne sommes jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Je porte en moi le maître du salut.
je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi, je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi, je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il est vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant. Il agit. Naye biete,
Les appeler aujourd'hui, ils vont faire quand même les exercices. Alléluia. Amen. I'll call the family to sit back down. We call them again. Today is their exercise day. Je veux m'excuser. Comme Papa Eric est en train de partir, Papa Eric is leaving. Je vais appeler la chorale parce que Papa Eric doit entonner une chanson. I will call the choir because Papa Eric has to sing a song. Papa Eric s'appose to lead et doit entonner une chanson ensemble avec nous. La chorale, vous pouvez venir. The choir can come back. Papa Eric is going to sing together with the choir. Okay. The family, come back, please. All the families, come back, come back, come back. Et notre famille, ce sont les leaders, les hommes qui dirigent. Les men are leading. Bah oui, 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 bah
Prions pour Papa Eric. Éternel mon Dieu, Dieu de gloire et de grâce, nous te bénissons, te rendons gloire. Je m'en vais, mon Dieu, te recommander ton serviteur en sainte main, que ta gloire et ta puissance, mon Dieu, l'accompagnent partout. Au travail où il est en train de se rendre, mon Dieu, que ta main, ta protection divine, oh Dieu, puisse l'accompagner dans le nom puissant de Jésus. Couvre ton serviteur, oh Dieu, ton sang précieux, afin qu'il soit, oh Dieu, invisible dans le monde du ténèbre, dans le nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, papa. And I want to take a moment. Je voulais prendre un peu quelques minutes pour expliquer la chanson que nous venons de chanter. Je voulais prendre un peu une minute pour expliquer un peu la chanson que nous venons de chanter. Et la chanson Musungi di Shalanani. And that song Musungi di Shalanani. To say that the God Almighty stay close to me. Souvent c'est le français et l'anglais qui se mélangent dans la bouche. Désolée, Maman Pascal. No problem. De dire au Seigneur d'être près de moi. To tell the Lord to be near me. Pour dire que moi-même, en moi-même, je ne peux rien. To say that in myself, I cannot. Mais si tu es auprès de moi, well, if you are close to me, j'aurai la force. I will have the strength. Ça dit aussi que la joie de ce monde, it also says that the joy of this world, c'est pour une courte durée seulement. It's for a short time only. Et la joie que nous, les chrétiens, nous espérons, and the hope that we hope for, c'est une joie éternelle. The joy that we hope for, it's an eternal joy. Et c'est pour cela nous demandons au Seigneur la force d'être près de nous pour que nous ne puissions pas nous éloigner de lui. That's why we ask the Lord to be close to us so we don't stray far from him. And then the last verse, le troisième verset. And the third verse. Et on dit, quand la mort viendra, it says when death comes, et restez toujours près de moi, always remain close to me, et de ne pas m'abandonner, and don't abandon me, parce que tout passera, because everything will pass, et où est-ce que nous allons nous retrouver, where will we find ourselves, et pour que nous puissions nous retrouver au ciel, we should find ourselves in heaven. Et sans plus tarder, nous allons appeler le temps de témoignage. Without delay, we call the time of testimony. Amen. 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 Je vais prendre quelques minutes. I will take a few minutes. Amen. Amen. Je vais juste appeler une famille. I will call a family. Qui a besoin juste de célébrer. That wants to notre Dieu, our God, pour tout ce qu'il est en train de faire dans leur vie. For all that he's doing in their lives. Et ils ont préparé un poème. They prepared a poem. Amen. Hein? Amen. So, j'aimerais que vous puissiez avancer, les enfants. Come on. I would like you to come forward. Est-ce que nous pouvons acclamer pour eux? Can we clap for them? Et après le poème, maman va chanter un chant. After the poem, mama will sing a song. En guise de remerciement. A song as a thanksgiving. Amen. Hein? Amen. Encourageons notre sœur en acclamant. Let us encourage our sister by clapping. Alléluia, alléluia. Good morning, church. Bonjour, l'église. My name is Beliada. I'm new here. Mon nom c'est Beliada. Je suis nouvelle ici. I have a little poem about Easter that I wanted to share with everyone. J'ai un poème par rapport à au Passover que je veux partager. It's called the resurrection. C'est appelé, ça s'appelle la résurrection. Here I start. We hold so close to the resurrection, we hold so close to our heart. La résurrection que nous tenons près de notre cœur. The cross where Jesus died. La croix sur laquelle Jésus est mort. But so much more than the blood-stained cross is that Jesus came back to life. Plus grand encore que la croix teintée de sang, c'est que Jésus est revenu en vie. The stone has been rolled away. La pierre a été enlevée. The tomb lays open and bare. La tombe était ouverte et vide.
They looked for him and the angel says he is no longer there. On l'a cherché, mais l'ange a dit qu'il n'est plus dedans. Oh, what joy must they have felt to see him once more? Oh, ils ont eu beaucoup de joie de le voir une fois de plus. To eat with him and to drink with him. De manger avec lui et de boire avec lui. To receive him back as Lord. Et de le recevoir encore comme Seigneur. So much did he accomplish through his death upon the cross. Il a tellement accompli sur la croix, par sa mort sur la croix. And in his rising from the dead. Et sa résurrection des morts. He reconciled us back to God. Il nous a réconciliés avec Dieu. Nothing else can bridge the gap that sin has withered apart. Rien ne peut couvrir le trou que le péché a creusé. Now we can freely go to God and receive Christ in our hearts. Maintenant, nous pouvons aller à Dieu et recevoir Jésus dans notre cœur. Amen. 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 Oui, nous appelons maman. We call mama. Good morning, everyone. Another poem. Bonjour. I have a message for that someone might need to hear today. J'ai un message que quelqu'un a peut-être besoin d'entendre aujourd'hui. God sent his son to take the punishment for all the thoughtless, sinful things we do. Dieu a envoyé son fils pour prendre notre place à cause de toutes les bêtises que nous faisons. Jesus gave his life because he loves us. Jésus a donné sa vie parce qu'il nous aime. His love is boundless, sweet, and forever true. Sa mort est très, son amour est très grand et vrai. On Easter morn, he showed us he's our Savior. Le jour de Easter, il nous a aimé. Nous montre qu'il nous a aimé. His resurrection proves that he's our Lord. Sa résurrection montre qu'il est notre Dieu. For he has secured our heavenly reward. Il a sécurisé notre place au ciel. Amen. Maman, maintenant. Yeah, venez. Est-ce que nous pouvons acclamer et encourager notre maman? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On va essayer, on ne connaît pas vraiment chanter. We're going to try. We are going to try. Mélange. Moli monanga kumbi sankolo. Maele nanga kumbi sankolo. Moli monanga kumbi sankolo. Yenda zali zambe na bomo. Soki banguna batele melinga na lendi samaka na malo bankolo bakoti mola libulu pona kufa atele makabundela kanga ye zambe nanga azali na bomo atele makamo twasuka na nyonso oyo aloba solo zamenanga azali na bomo zamenanga azali na bomo atele makamo twasuka na nyonso oyo aloba Samae, Yahweh teleme, Yahweh teleme, nabo moinanga, banguna teba samae, Alleluia. Amen, amen, amen. Et sans plus tarder, without any delay, nous allons offrir à notre Dieu. We are going to offer to our God. La parole de Dieu nous dit the word of God tells us, de ne pas nous présenter dans la maison de l'Éternel, mais vide.
Et quand nous lisons la parole de Dieu, when we read the word of God, ce n'est pas pour obliger les gens. It's not to force the people. Mais nous devons faire connaître quelle est la volonté de Dieu. But we have to let them know what is the will of God. Et je vais lire dans le livre de Corinthiens, In the second book of Corinthians, second Corinthians. Before I read, Malika, can you pass the envelope and bring the offering basket, please? Avant de lire Malachie, pouvons-nous apporter les enveloppes? Non, deuxième livre de Corinthiens. Second book of Corinthians. Second Corinthians. Chapter 9. Second Corinthians. 2 Corinthiens, chapitre 9. Et verset 6 à 7. Verse 6 to 7. Mama Pascal, you can start, please. Second Corinthians 9, 6 to 7. Yes. I read in the name of Jesus. Amen. Remember this. Whoever sows sparingly, we also reap sparingly. And whoever sows generously, we also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amen. Amen. Deuxième livre de Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 7, nous dit, « Sachez-le, celui qui sème paix moissonnera paix. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Amen. Et nous allons offrir à notre Dieu. We are going to offer to our God, comme la parole de Dieu vient de nous dire. As the word of God just said, que celui qui va semer paix, that the one that sows sparingly, et il va aussi récolter paix. He will also reap sparingly. Il y avait une vidéo que j'aime beaucoup, c'est un jeune garçon. There's a video that I like a lot, a young boy. Et qui parle, qui dit que non, toi tu donnes à Dieu $50. He says you give God $50. Et maintenant quand tu rentres à Dieu pour aller demander prier. And when you go back to God to pray, et tu cherches maintenant que Dieu te donne $5,000. You want God to give you $5,000. Et il demande Dieu, tu veux dans quel argent, l'argent de qui là que Dieu puisse enlever maintenant te donner toi. And you want God to take from whose money to give you? Et quand j'ai vu ça, c'était très intéressant. Je vais remettre ça encore sur mon profil. And when I saw that it was very interesting, I put it back on my profile again. Then you can, vous pouvez regarder encore. So you can see it again. Celui qui sème abondamment. The one that sows abundantly. Et il va aussi récolter abondamment. He will reap abundantly also. Mais ça nous dit que chaque personne donne. But it tells us that everyone gives. Comme il a résolu dans son cœur. As he decided in his heart. Sans contrainte. Without constraint. Sans tristesse. Without sadness. Parce que notre Dieu. Because our God. Aime celui qui donne avec joie. Love the one that gives joyfully. Et nous pouvons donner à notre Dieu. And we can give to our God. Ok, la chorale n'est pas prête. Je vais entonner une petite chanson. Ah oui. Nous allons donner avec joie. Song. Let us give joyfully. Yesu kutuma baye denda imumu soko nungebela mpunda. Panoela bulu kongo, nenu nubambilu jumunu tumambunda. Yesu kubanda pampunda, bilamba munjila mujima. Nimalala bimba ozana, bimbila mwana wa David. Bamba netu jitu benesha uji wulu wa mujina jata tu ozane. Papa wanyi wa kuimbila wewe. Ozane, papa wanyi wa kuimbila wewe. Ozane, tumba kunzambi waba moyu wewe. Ozane, papa wanyi wa kuimbila wewe. Ozane, bena buloje kabena ne lusa mchande. Ozane. Ozane, bajabantu bashala bajingi jila nzambie. Ozane, ozana wanyi wa kuimila wewe.
wakwimila Eshada yu wakwimila wewe wakwimila Papa wanyi wakwimila Masia wanyi wakwimila Imba osane osa Imba osane Imba osane Imba osane Imba osane Imba osane Amen. Nous allons appeler toutes les familles d'avancer. En même temps, le pasteur va bénir les offrandes. We will call the families to come forward and the pastor will bless the offering. Parce que nous devons finir à 17h juste. Because we have to end at 5 o'clock. Everybody come back to the front, please. Venez devant, s'il vous plaît. Notre dernière chanson. Our last song. Et le pasteur va prier, bénir les offrandes et nous bénir aussi quand nous terminons notre dernière chanson. Le pasteur will pray and bless the offering and also bless the people when we finish our last song. Amen. Amen. So we're going to sing this song. It says the blessings basically from the book of Psalm, saying blessings upon families and generations. Amen.
Dieu vous bénisse. May God bless you. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. And we are at the end of our service. Et nous savons que Dieu est là. And we know that God is there. Je sais que Dieu vous a béni. Amen. I know that God blessed you. Amen. Je sais que vous avez été visité par le Saint-Esprit. I know that you were visited by the Holy Spirit. Je sais que quelque chose s'est ajouté dans votre vie. I know something was added to your life. Amen. 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 Et je sais que j'ai fait ma part. And I know that I did my share. Amen. Vous avez fait aussi votre part. You also Amen. Did your share. Rappelez-vous encore une fois. Remember one more time. De manager votre vie. To manage your life. Comme je vous ai dit. Like I told you. On a donné la vie à l'homme. Life was given to man. Mais l'homme n'a pas pu manager ou gérer cette but vie. But man could not manage that life. Il a perdu cette vie. He lost it. Amen. Hein? Amen. Parce qu'il n'a pas pu bien gérer Because cela. Because he couldn't manage it properly. Et il a créé la mort. He created death. Il fallait que quelqu'un d'autre puisse prendre notre place. Someone else had to take our place. Un substitut. A substitute. Il a pris notre place afin que nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. He took our place in order for us to be called children of God today. Je vous ai demandé de manager votre joie. I ask you to manage your joy. Amen. Hein? Amen. Quand vous êtes dans la joie, vous devez savoir manager cette joie-là. When you are joyful, you have to know how to manage that joy. Adam et Ève, ils étaient dans la joie. Adam and Eve were joyful. Mais n'ont pas pu manager cette joie. But they could not manage their joy. Ils ont créé la mort. They created death. Et j'aimerais pas que vos entreprises I will not like for your business tombe en faillite parce que vous n'avez pas pu manager votre joie. To fail because you couldn't Mais j'aimerais manage que your ça puisse joy, prospérer dans le nom puissant but de I would Jésus. Like them to prosper in the name of Jesus. Je n'aimerais pas entendre un jour I don't want to hear one day voir un enfant que je connais see a child that I know puisse se dérober de la voie de Dieu to move away from the, parce que nous the parents, way of God because us parents nous n'avons pas pu manager notre joie. We could not manage our joy. Amen. Amen. Nous allons tenir debout, bien-aimés. We're going to stand up, beloved. Et recommander toutes les activités que nous aurons au courant de la semaine entre mains de Dieu. And we recommend all the activities sa grâce, of the week. Sa bonté soit avec nous. His grace, my, his grace que son sang qui a coulé sur la croix couvre nos familles dans le nom puissant de Jésus. Blood that was shed on the cross cover our families in the name of Jesus. Que le sang qui a coulé sur la croix May the blood that was shed on the puisse cross nous apporter la paix brings us peace, la joie, joy,
La sécurité dans le nom puissant de Jésus. Jesus. J'aimerais juste que tu mettes ta main sur ton cœur. I would like you to put your hands on your heart. Et en regardant ta famille. And by looking at your family. Tes connaissances. And people that you know. Tu les recommandes juste entre les mains de Dieu. Recommend them into the hands of the Lord. Let us pray. Éternel mon Dieu, de gloire, de grâce, Saint, te bénissons, te rendons gloire. Merci pour ton amour. Nous savons, mon Dieu, que nous ne sommes pas appelés, ô Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas appelés, Seigneur, à s'éloigner de toi, mais nous sommes appelés à être très proches de toi. Merci pour ta présence. We want to be close to you, Seigneur. J'aimerais, mon Dieu, que ta gloire, ta grâce, mon Dieu, puisse nous accompagner. J'aimerais, mon Dieu, que ta puissance puisse affecter chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Que notre vie soit transformée, qu'il y ait une mutation dans nos vies dans le nom puissant de Jésus. Que tu couvres nos entreprises, nos enfants. Que tu couvres, ô Dieu, toutes nos connaissances dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons t'élever, nous voulons te rendre gloire parce que tu es éternellement, ô Dieu, Dieu. Seigneur, nous voulons t'élever, Seigneur, et te rendre gloire parce que tu es celui qui va sécuriser notre vie. Apporte un changement dans nos vies. Apporte la sécurité dans nos vies. Permet de renouveler l'intelligence, mon Dieu, la sagesse. Affermis nos santé dans le nom puissant de Jésus. Que tu règnes encore au milieu de nous. Que tu te manifestes encore davantage. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. May my God bless you. Ne soyez pas pressés de quitter la Don't salle. Hurry to leave. Nous avons préparé quelque chose pour We vous. Prepared something for you. Et la Université David s'est réunie le vendredi en ligne. We meet on Fridays online. De 9 p.m. to 10 p.m. De 21h à 22h. Le samedi, nous sommes là. On Saturday, we're here. De 9h à 10h. From 9 to 10 a.m. Si vous voulez joindre notre plateforme, if you want to join us, faites signe et puis nous allons vous ajouter. We will sans add problème. You without a problem. Et que mon Dieu vous bénisse. May my God Amen. Bless you. Amen. Tous les visiteurs. All the visitors. J'ai un ami qui est là. I have a friend who is here. Sa première fois d'être en Université David. First time Amen. To be here. Est-ce que nous pouvons acclamer? Can you clap? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. May God bless you, man of God. J'ai un ami. I have a friend. Si vous le connaissez, il est toujours là. He is always here. C'est Papa Jedi. Papa Joe, Papa Joe, Papa Denis, Papa Denis, Papa Yannick, Papa Yannick, Mama Love, Mama, que mon Dieu vous bénisse abondamment. May my God bless you abundantly. Mama Karine, que Mama mon Dieu vous bénisse. May my God bless you. Amen. Amen. Papa Jean-Paul, que mon Dieu vous bénisse.